Je m'appelle Axel, j'ai 24 ans, je suis actuellement étudiant. J'ai été intérimaire chez Side pendant 2 ans. En juin 2022, j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Side directement en tant que chargé de recrutement. Et ça se passe super bien, je me sens vraiment épanoui. Passer d'intérimaire à insider, ça m'a fait un petit choc au début. J'étais habitué à être de l'autre côté et tout d'un coup, c'est moi qui appelais des gens même que je connaissais pour les placer sur des missions. Oui, bonjour Flavio, c'est Axel de l'intérim Side, vous m'entendez bien? Je vous fais un retour donc, concernant l'offre à laquelle vous aviez postulé. Étant donné que j'étais intérimaire, je comprends beaucoup mieux les siders. Je sais que c'est parfois compliqué pour eux de trouver des missions. Il y a des personnes qui me contactent parce qu'ils sont dans le besoin et je les comprends totalement parce que j'étais à leur place avant. Étant donné qu'il y a énormément de postulants sur certaines missions, plus les infos seront détaillées, plus les intérimaires auront de chances d'être positionnés sur des missions. Donc j'essaye vraiment de les conseiller, de bien refaire leur CV, de bien détailler leurs expériences. Quand je suis passé chez Side, ça m'a permis d'avoir une flexibilité importante. Pour moi, c'était important de trouver un travail où j'avais la possibilité de faire mes activités à côté. On a une manager qui est assez compréhensive. Elle sait qu'on fait des études, elle nous demande notre planning de cours et en fonction de ça, elle nous fait notre planning aménagé. Je mets vraiment beaucoup d'implication dans tout ce que je fais. J'ai un planning qui est vraiment très bien organisé. Donc j'ai mes heures de travail, j'ai mes heures de révision, j'ai les heures où je vais au foot. Le foot, c'est une chose vraiment très importante pour moi. J'en fais depuis que je suis petit, c'est vraiment une passion. C'est vraiment la chose qui me permet de m'évader quand je me sens pas bien, de sortir aussi du cadre professionnel. C'est vraiment un sport qui m'apporte beaucoup de bien-être. Donc c'est quelque chose que je ne pouvais pas mettre de côté. Donc c'est pour ça qu'au niveau de mon organisation, tout est vraiment très bien acté pour que je puisse faire du foot à côté, mes études et que je puisse travailler.